Salut tout le monde, c'est le Paul. Je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. On se retrouve sur Minecraft pour la suite de l'état des lieux. Donc, c'est l'épisode 2. Là, je vous présente ce village. Il se trouve à l'intérieur du muraille. Donc, là, c'est notre village, hein. C'est pas le même. Là, j'ai un petit problème de bug des manettes. C'est pas bon. Enfin, bref, nous sommes sur Minecraft, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment, on va dire, très grave. Donc ici, dans ce lieu, la première maison que je construis, c'est celle-là. Donc on va faire un petit tour en autour. C'est vrai qu'ici, la neige, ils ont mis un peu trop. Hein. Franchement, là, c'est abusé. Si on peut trouver quelque chose pour remédier ça, ce serait bien. N'oubliez pas de marquer en bas de commentaire si vous avez une solution pour moi, mes amis. Donc ça fait... 2 mois que je joue à Minecraft, enfin sur cette map. Donc ça donne ça. Donc vous avez vu le plus troisième village d'Angie. Bon allez, on arrête de papoter, on va aller directement à l'intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez de l'entrée? Est-ce que c'est plutôt joli ou moche? Donc à l'intérieur c'est comme ça. Voilà, ça donne ça à l'intérieur. Donc après, c'est les coffres, hein. À chaque fois, on a tous besoin de coffres pour stocker les matériaux. Voilà, tout ce qu'on a besoin, tout ce que j'ai récolté de la grotte, comme d'habitude. Hein. J'ai pas grand-chose pour l'instant. Voilà, hop, ça donne tout ça dans les coffres. J'ai pas grand-chose, voilà, j'ai les armures en diamant, mais qui ne sont pas encore... enchanté, donc j'attends ici que je finisse. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, à chaque fois que je construis un endroit, je mets toujours le tableau de craft et puis les bibliothèques qui s'en suivent. Allez, oh, salut à toi, le chevalier. Oula, oula. Attendez, attendez, voilà. Donc ici, tout ce qu'il y a autour, ça a été fait de A à Z, hein, mais bon. C'est vrai que les glaces, ça ne fond pas. C'est un petit peu dérangeant à chaque fois qu'on cherche à construire. Voilà, donc ça, c'est moi qui l'a fait. Voilà, donc maintenant, on va rentrer dans Muraille de Chine. Et le trou dans la défense, il y a un petit trou là-bas, regardez. Muraille de Chine, c'est une date d'un autre jeu. Sans doute vous êtes curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, hein. Allez, on va voir. Donc là, on a juste un petit, on va dire un spawner de zombies. Après, vous savez, voilà, la petite technique, hein. On va le faire tout de suite. Bon, j'ai un petit bug. Bon, c'est pas un petit bug que j'ai, en fait, c'est... Donc ici, c'est pour... c'est pour ceux qui veulent augmenter du niveau au plus vite. Donc voilà, voilà, ça sert à ça, quoi. Allez, on va remonter tout de suite. Bon, par contre, là, ça tourne un peu trop ma tête. Si ça tourne tout seul, vous voyez sur l'écran, si ça tourne tout seul, c'est pas moi, c'est la manette qui bug. J'ai pris une mauvaise manette pour faire cette vidéo. Donc là, la porte, c'est comme d'habitude, hein. Voilà, donc l'idée par rapport à la neige, moi je dis que voilà, faire cette mur, enfin faire ce mur déjà, faire ce mur, parce que là la neige, parce que ouais, quand on fait pas ce mur, en fait les PNJ ils sautent par dessus, hop, ils vont de l'autre côté, donc c'est pas le but. Le but c'est de protéger les PNJ. Donc on a eu l'idée de construire ce muraille de Chine. Enfin, c'est même pas de la Chine, j'appelle juste ça comme ça, mais bon. J'espère que c'est, y a personne qui va prendre mal. Donc c'est plutôt bien fait, on va dire. On a pris pas mal de temps. Donc on a fait fondre les pierres, enfin, si on peut dire ça comme ça, avec de la lave pour aller plus vite. Donc on n'a pas tout à fait fini. Donc je vous dis, bon, on finira plus tard. Voilà. Donc les PNJ sont plutôt bien protégés. Donc je suis content. Voilà. Donc ici ça donne comme ça, et donc pour revenir pour la construction, donc je me suis dit pourquoi pas comme à l'ancien temps, ils font des murs, des grands murs,
pour faire un château à côté, pour que le mur soit, on va dire, collé au château. Donc là, c'est un petit truc, il n'y a rien du tout de spécial, comme d'habitude, un petit carré, un petit coffre et, on va dire, tout ce qu'il faut pour la cuisine, la table de craft, etc. Donc ça donne ça en dessous. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas de spectre, parce que sinon ça va me déranger pour cette vidéo. Voilà, ça donne ça en dessous. Donc, pour la première, pour le premier village perdu, ça donne ça. Donc, autour que de la neige. Voilà. Ah, évidemment, qu'est-ce que je disais? On a parlé des spectres. Donc, ça donne ça. Donc, il y a de la lumière partout. Voilà. Donc, comme je suis tout seul, je peux aller dormir pour faire partir les spectres. Parce que c'est comme les zombies, heureusement, ils spawnent pas la journée. Donc je vais dormir pour le faire disparaître. Allez, c'est parti. Voilà, donc allez. Maintenant, on va aller voir. J'espère que vous avez eu le temps de. Oh, mon petit passage secret que je voulais pas aller voir. Mais bon, maintenant que vous avez vu. Ah, vous ne les voyez plus. C'est parti, on va voir les autres. Qui est-ce qu'on a plus de perdu ici? Je sais pas. Donc ici, c'est pareil que je fais l'autre côté, mais à l'ancienne. Hein, à l'ancienne, hein, je vais faire à l'ancienne. Voilà, ça me ça à l'ancienne, mais bon, peut-être qu'avec les temps, je vais l'améliorer pour ça, pour le rendre plus joli. Et puis, comme ici, on va dire, c'est une construction à peu près ancienne, on va dire, on va laisser ça comme ça. Donc c'est pareil à l'intérieur, ça change pas grand chose. Voilà. Donc ce qui change par rapport à l'autre côté, ce sont les potagers. Et puis voilà, les potagers, on a mis à l'intérieur parce que pour éviter la neige, hein, pour éviter que ça gèle. Donc on a bien pensé pour faire ça. Vous avez vu, l'eau ne gèle pas à l'intérieur, c'était tout à fait bien. Tout à fait bien pensé. Voilà, c'est comme ça qu'on a pensé à protéger les potagers. Mais bon, c'est pas toujours. Mais bon, je trouve ça joli. Hein. Je trouve vraiment joli de ce qu'on a fait maintenant. Voilà, la neige, il tombe toujours là-haut. Et puis, il y a des ennuis aussi de temps en temps. Mais bon, c'est pas très grave à partir du moment où c'est loin des PNJ. Donc j'ai fait le tour vite fait, hein, on a fait vite fait le tour, hein, voilà. Ensuite tout ce qui est animaux, on a des poules, on a des cochons, mais pour l'instant on n'a pas plus que ça. Voilà. Et puis les anciens villages perdus, ils sont là. En tout cas mes amis, hein, comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de liker, hein, même si vous ne regardez pas cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker quand même et puis de partager, pourquoi pas, pour faire connaître au maximum ma chaîne. Donc là, c'est ma première construction ici, enfin, dans ce village. Voilà, donc pour l'instant, j'ai eu 3 zombies, enfin, 3 zombies, 3 PNJ, donc ça fait 4, 5. Ici, on n'a pas beaucoup de PNJ pour l'instant. 6, ça fait 6, donc ils étaient 6 depuis le début, ça n'a pas changé. Ici, c'est pas encore tout à fait fini, hein. Donc là, on est rentré dans toutes les pièces. Ensuite, premier étage, donc il y a qu'un étage ici. Voilà, on était rez-de-chaussée, donc la hauteur, c'est comme ça, le plafond. Dites-moi, les finitions, ça donne quoi pour vous? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Et puis, pour la prochaine vidéo, bah, ce sera la suite de l'état des lieux pour les villages perdus. Ici, il n'y a pas grand-chose à regarder parce qu'il n'y a pas énormément de constructions. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup de temps par rapport à faire ce mur. Et puis aussi beaucoup de temps perdu par rapport à déblayer la neige, ce qui n'est pas tout à fait évident, hein, je vous assure. En tout cas, voilà.
Voilà. Voilà, on s'arrête là, les amis. N'oubliez pas de lâcher un like, comme d'habitude, de faire partager cette vidéo, et puis n'oubliez pas de s'abonner pour toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, et puis d'activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao, ciao!